Merci de faire confiance au journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. 30 décembre 2018, 30 décembre 2021, il y a de cela 3 ans que les citoyens congolais étaient devant les urnes pour voter en toute transparence leurs dirigeants à travers les élections qui ont conduit Félix-Antoine Tshisekedi à la présidence de la République. Veillée de prières de fin d'année, le commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise, Silvano Kasongo, interdit toute église non détentrice de la dérogation du gouverneur de la ville de Kinshasa de l'organiser. Les églises qui iront à l'encontre de cette mesure paieront les fortes amendes pour avoir enfreint à la loi. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Baisse des prix de produits surgelés sur le marché, les Kinoises et Kinois se réjouissent et remercient les autorités pour les efforts fournis. Par exemple, ces poissons chincharme Piodi de 16 plus vendus auparavant à 95 000 francs par carton, aujourd'hui, sont vendus à 65 000 francs par carton, 1 kilo, 2 000 francs et demi-kilo, 1 000 francs congolais seulement, et c'est à la grande satisfaction de la population. Liboso to bandote ka poisson papa mo piko na 2000 francs. Mbena lelo to komote ka on a 1000 francs mboke bonge comme link. Très contente, la population souhaite voir ses prix être maintenus ou revu encore à la baisse. Les sociales d'abord. La vulgarisation de la feuille de route et tribune d'expression populaire lancée par la plateforme provinciale UJCC Kinshasa dans 24 communes de la ville-province de Kinshasa se poursuivent sans relâche. Ce mercredi 29 décembre 2021, l'Union des jeunes congolais pour les changements provincial, l'UJCC provincial, était à Lemba, précisément au quartier Mbanza Lemba, dans la salle Okitala. La population de ces coins de la capitale a eu à s'exprimer sur le problème et difficultés que connaissent leurs communes et exiger des pistes de solutions, et c'est à travers le thème « Quel avenir pour nos jeunes de Mbanza Lemba ?» Nous sommes jeunes de Mbanza Lemba, c'est-à-dire nous avons rempli belle aussi dans le quartier de Bissau. Pour soutenir Bissau, l'avenir de l'lobby est pour nos jeunes. Cette vulgarisation a connu la participation de l'action d'entre-aide pour le développement. Nous représentons 90% de la population, c'est la jeunesse. Mais dans les institutions, dans toutes les postes de prise de décision, nous sommes sabotés, nous sommes négligés. C'est pourquoi nous sommes ici pour rehausser les tons de la jeunesse congolaise pour occuper les grandes postes de prise de décision dans notre pays. La vision de l'UJCC, c'est de former de jeunes leaders capable d'assurer la relève, rassure le coordonnateur provincial de l'UJCC Kinshasa, Rémi Flamme Mangwamba. La vision de l'UJCC, c'est de former des meilleurs jeunes qu'ils deviennent des élites. Les jeunes de Mbanza Lemba sont prêts à apporter aussi leur changement à condition que nous puissions les aider à arriver là où ils veulent. C'est déjà un éveil qui a commencé. Cette sensibilisation de la jeunesse va se poursuivre dans d'autres communes et c'est toujours dans le cadre du projet Tufayulu Pamoja, réussissons ensemble. Le bureau du Conseil provincial de la jeunesse, dirigé par Mayamba, déjà fait mandat, la jeunesse de Kinshasa exige la convocation dans l'immédiat d'une assemblée générale élective. Germain Guindou, président du Conseil communal de la jeunesse de Bumbu, lors des consultations nationales lancées par le Conseil national de la jeunesse à Kinshasa. Jusqu'à maintenant, même Bisson à ville à Kinshasa, le bureau déjà au ville et Kouyaki déjà. Mais toujours comprendre que jusqu'à maintenant, l'autorité, bah, bombi,
Vaneli dossier na biso. Il y en a un profit, il y a Roloba, monsieur le gouverneur, comité, il y a vu la Kinshasa, c'est Kouéaki. Tout ce qui est en assemblée générale, tu élis le nouveau président Oyo, à Rotambou, sa jeunesse kinoise. La lettre est commis autre que comment. Nous avons, on a appelé ça le caucus du président. Le président Nyon, c'est la vie, c'est un même le gouverneur de la ville, Azan a copié Wana. Même notre ministre provincial, Azan a copié Wana, Oyo to komé la qui est. Même présence de la République. Même son des cloches avec le président du conseil communal de la jeunesse de la commune de la Gombe, Jacques Mpolo Ikela, qui ne jure que sur la démission du comité Mayamba. Le bureau du conseil provincial de Kinshasa a été déchu par les deux tiers du membre de l'Assemblée générale lors de l'Assemblée générale extraordinaire. Donc, M. Mayamba et son comité, puisqu'il y a eu même des démissions, que les autorités de la ville provinciale de Kinshasa en prennent acte, en commençant par le numéro 1 de la ville de Kinshasa, qui nous a déjà lié. Alors nous sommes désolés que jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais convoqué une assemblée générale extraordinaire, élective, pour qu'on ait un nouveau comité du conseil provincial de la jeunesse de la ville provinciale de Kinshasa. Seul l'avenir nous en dira plus. La situation des crises en République démocratique du Congo et la remise en cause du principe de la laïcité sur le plan national, la Maison de la laïcité de Kinshasa, une organisation non confessionnelle créée depuis 2011 en République démocratique du Congo, a organisé ce vendredi 30 décembre 2021 une journée de réflexion sur la laïcité dans la politique en RDC et d'analyse prospective du contexte actuel de la RDC depuis janvier jusqu'à ses fins décembre 2021. Plusieurs organisations de la société civile non confessionnelle étaient conviées à cette réflexion. Maître Kianga Tanfoum, l'un de la Maison de la laïcité de Kinshasa, nous en dit plus. C'est un principe sacro-saint qui est reconnu à l'article 1er de la Constitution de notre pays, mais dans la réalité, ce principe est mis en cause. Ce principe souffre quant à la situation même de l'éducation, de l'économie, et voire même dans le processus électoral, vous constaterez que le tableau est vraiment noir. Raison pour laquelle la Maison de la laïcité a bien voulu réfléchir avec toutes les organisations partenaires non confessionnelles pour qu'il y ait des propositions concrètes afin que la laïcité prime dans ce pays, qu'il y ait un changement, qu'il y ait la séparation entre l'État et l'Église. Les participants à cette journée de réflexion souhaitent que la charte de la laïcité soit vulgarisée, précise le secrétaire permanent du réseau pour la promotion de la démocratie et des droits économiques et sociaux en RDC, Massoudi Wakilongo. Voir les enjeux d'aujourd'hui, comment la société civile se profile dans l'année qui arrive, l'année 2022, qui a été proclamée l'année du social, mais pour laquelle le social tarde à décoller. Les participants pour cette première phase voudraient que la charte de la laïcité soit vulgarisée, que cette charte soit portée par les acteurs de la société civile de manière à promouvoir les valeurs qui sont l'humanisme, le respect de la différence, le respect des droits humains, la tolérance, le libre examen. Il tient de noter qu'une feuille de route était élaborée à l'issue de cette réflexion pour la restauration et la promotion paisible du principe de la laïcité en RDC. Une délégation du bureau de liaison avec le Parlement de la CENCO, BLP CENCO, avec à sa tête Maître Jean-Paul Moulianga, se trouve depuis ce dimanche 26 décembre 2021 à Kenge, chef-lieu de la province du Kwango. Mais pour quel objectif? Maître Jean-Paul Moulianga, directeur du BLP CENCO, joint au téléphone par le journal de la ville depuis Kenge, répond. Nous sommes venus pour donner une suite à l'accompagnement que nous avions déjà commencé en faveur de notre cellule de liaison parlementaire provinciale du Kwango, ici qui est cristallisée comme point focal à travers
la commission diocésaine justice et paix de Kenge. Vous les aviez vus lors du lancement de ces projets annuels qui visent à booster les capacités des communautés pour qu'elles soient à même d'exiger beaucoup plus de rédévabilité des élus et des autorités envers leurs bases respectives à Kinshasa. Nous sommes venus nous enquérir un peu de la situation et puis profiter pour faire une analyse sociale, aller au-delà de la CLPP strictement. Kouangome, impliquer aussi les autres couches de la population pour une analyse en profondeur des problèmes qui minent le développement de notre chère province du Kouango. Durant ses séjours à Kenge, l'équipe du BLP Senko a eu à rendre visite aux différentes autorités de ces coins du pays, notamment au bureau de l'Assemblée provinciale, ici représenté par son vice-président et président intérimaire durant l'absence du président qui est à Kinshasa. On ne pouvait pas être ici sans voir notre chef, donc son Excellence Monseigneur Jean-Pierre Kouambamba, l'évêque du diocèse de Kenge. Une pré-analyse sociale de problèmes que connaissent la population des Kenge était faite lors de cette réunion participative. Les érosions, le manque de centres de formation et d'apprentissage, les problèmes de manque d'énergie électrique courant et la problématique du chômage, la malnutrition, la discrimination de la femme, les tribalismes cristallisés dans les conflits ethniques, l'absence des routes de dessert agricoles. Nous étions heureux d'apprendre que déjà un plaidoyer était mené par les députés provinciaux et que les autorités nationales au plus haut niveau du pays sont déjà saisies de cette question et les solutions sont en voie d'étude. Il y est dénoté que c'est dans le cadre de la finalisation des activités du projet annuel appuyé par NED, intitulé « Projet de mobilisation communautaire pour exiger une plus grande rédévabilité des élus envers la base » que le BLP Senko se trouve actuellement à Kenge, dans la province du Kwango. À l'occasion des festivités de fin d'année et du nouvel an 2022, le président national du parti politique Vision pour un nouveau Congo, VNC en sigle, le docteur Henri Kietosukavita, a adressé un message de vœux à la nation congolaise ainsi qu'à toutes ses couches sociales. Le docteur Henri Kieto a en même temps invité les dirigeants congolais à améliorer les sociales du peuple durant l'année 2022. Naye na kombo nangai, pe na kombo ya parti politique. Oya biso na kombo ya VNC ko souhaiter pe ko présenter bino ba bonne fête ya Noël pe ya nouvel an pe ba vœux malamu pona mbulo tozali ko banda sika to sanité yambo mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba animateur politique nyos to sanité ba kambi ya ba confession religieuse nyos ba opposant politique nyos pe na ba acteur nyonso ya société civile eloko liboso tolingi toloba ete toyebi ete mbula oyo eti kosila ezalaki na ba événement politique moins ebele oyo etali insécurité na est oyo etali social ya congolais ezali kose dégrade mokolo na mokolo mpona mbula oyo tozali kobanda ya 2022 ba oyo baza na charge ya mboka babosana te ke social ba besoin social oyo ya peuple oyo tobengi mai courant oyo tobengi santé kelasi oyo tobengi likambo ya ndako to ya misala ezonga na second plan te ezala toujours liboso bokebi ekoka kozala na oyo babengi bamesure barrière mpona maladi oyo tobengi covid po tozali kokota boye na 4e mpe mosusu kolandisa tokokota na 5e phase nasukisi kolobe ete RDC Congo oye vision pour un nouveau Congo oye longonia na bino nyonso ba mama, ba tata, pe na bi lenge. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi. Et d'ici là, portez-vous bien.